Salut. Bon, les vidéos où je dois dire si un produit est bon ou pas, moi c'est les vidéos que je préfère parce que je peux les faire en route. Hey! You want to say hi? No. Ok, so. Donc, les petits enfants là qui me dérangent. Donc, j'ai même pas besoin de connaître le nom du produit puisque vous allez les découvrir dans la vidéo. Je connais même pas le nom du produit, je me rappelle pas, vous allez voir. Et voilà, donc on regarde la vidéo. Normalement, je devais faire la vidéo sur plusieurs produits, mais finalement, j'ai décidé de commencer par ces quelques produits, les produits qui sont plus faciles à détecter. Donc voilà, pour que ça aille plus vite, pour que la vidéo ne soit pas aussi très longue. Donc je vais commencer. En fait, le but c'est de détecter le produit de mauvaise qualité juste à partir des étiquettes, quoi. Donc là, il n'y a pas question d'aller dans les recherches de sites internet, de faire tout un tralala ou bien même de regarder le produit lui-même. Donc là, on se base uniquement sur les étiquettes du produit, sur l'emballage, pour voir que le produit n'est pas certainement de bonne qualité. Donc là, par exemple, si vous remarquez bien, les histoires qu'on vous dit 15 euros, 10 jours, machin, fuyez déjà. Fuyez. Parce que même si ça vous éclaircit, ça commence à vous éclaircir, ça veut dire que ça contient soit de l'hydroquinone, soit des corticoïdes, comme je dis toujours. Et remarquez bien, ce mannequin, il est pratiquement sur plusieurs produits de beauté, sur plusieurs sites internet, sur plusieurs trucs. Donc chacun, il peut piquer une photo comme ça et puis colle sur le produit. Et quand vous allez voir ces photos, vous allez vous dire, oh, voilà, c'est un produit qui doit certainement marcher. Et voilà, et également, bon, ça c'est le nom du produit, Clair Therapy. Ce qui n'est pas très, très, comment dire, c'est pas très indicatif, mais c'est quelque part indicatif parce que c'est en anglais, mais tout le produit est écrit en français. De toutes les façons, comme je dis, c'est beaucoup plus sûr. Les explications qui disent sur le produit, ce que le produit est censé faire, et c'est pas très convaincant. Donc à mon avis, il faut fuir carrément. Le prochain produit, c'est celui-ci. Je vais un peu zoomer, voilà, pour qu'on voit bien. Bon, là c'est dit luxurious. Je ne sais pas si je lis bien. Hein. Luxurious. Ah. Ok. Luxurious. Vous-même. Bon, ok. Peut-être la personne voulait écrire Luxurious. Je ne veux pas dire ce que la personne voulait écrire, mais bon. Luxurious by... Je ne sais même pas quel nom écrit là parce que je ne lis pas bien. Mais ça veut dire que c'est une appellation anglaise déjà. Et... le lait très fort. Donc les mots là, ça c'est des mots qui ne sont pas très très... Bon, quand je lis ici, je ne sais pas si je lis bien. Parce que quand vous m'envoyez la photo, je vous dis toujours filmez comme on peut bien lire. Comme je peux bien lire. Je ne sais pas si c'est écrit parce que j'ai l'impression que c'est écrit USA. Comme tout vient de USA là. Je ne sais pas trop. Mais ça écrit ici, butation blancheur. Bon. Déjà, appellation anglaise et puis mot machin, bon, pour moi, ça ne me convainc pas. Et l'emballage aussi, ça laisse un peu à désirer parce que, rappelez-vous, hein, le glutation, c'est un produit de luxe quelque part. Hein. C'est un produit qui coûte cher et vraiment emballé comme ça là, dans des bouteilles qu'on peut acheter n'importe où et faire n'importe quoi, non, moi, ça ne me convainc pas. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça ne me convainc pas. Prochain produit... je vais d'abord dézoomer. Prochain produit. Voilà, celui-ci. C'est... ça s'appelle, je crois, Queen... attendez. Voilà, ça s'appelle... Afrique Queen. Voilà, glutation. C'est écrit ici, Aura Whitening Skin Formula. Et ici, Maxi Éclat Sans Tache. Bon, ou c'est en anglais ou c'est en français, il faut choisir. Je ne dis pas qu'un produit ne doit pas se présenter en français, en anglais, il faut bien comprendre. C'est juste que la manière de présenter en français, en anglais, laisse à désirer. Parce que si ça devait être écrit en français, en anglais, tout ce qui est écrit en anglais, en français, devait être repris en français. Tout ce qui est écrit en anglais devait être repris
Tout ce qui est écrit en français devait être repris en anglais, soit l'un, soit l'autre. Mais là, vous ne pouvez pas écrire une phrase en anglais, une autre en français. Ce n'est pas ça. Et aussi, regardez un peu l'emballage. Moi, je ne mettrais pas un truc comme ça dans mon ventre. Je suis désolée. C'est comme si on a pris un papier, là, on a imprimé dessus, et puis voilà, ça se délave et tout, machin. Moi, je n'avalerais pas ça. Et pourtant, c'est du glutathion, un produit de luxe. Pour moi, ça ne me convainc pas. Et autre chose qui est très flagrant quand même, c'est que, si vous remarquez bien, package 65 pills, très bien, c'est en anglais. Vitamin E as the alpha whatever. Ça, le reste qu'ils écrivent là, rose extrait, ok, rose extrait. Rose extrait, je ne sais pas si on veut écrire l'anglais ou le français, parce que c'était en anglais, ça devait écrire rose extra. Et si c'est en français, ça devait écrire extrait de rose, je ne sais pas trop ce qu'on veut écrire, bref. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est que tout est écrit en anglais, n'est-ce pas? Mais regardez ici, glutation. Je l'ai toujours dit, le glutation avec E à la fin, c'est l'appellation anglaise. Le glutation sans E à la fin, c'est l'appellation française. Donc, si vous voyez glutation sans E, ça veut dire que c'est en français. Et là, tous les écrits sont en anglais. Donc, ou c'est en français ou c'est en anglais, je ne sais même plus. Donc, voilà des petits éléments qui peuvent vous permettre déjà de savoir si oui ou non le produit n'est pas de bonne qualité. Donc, voilà, on va tirer la conclusion sur ces quelques produits et je ferai d'autres vidéos sur d'autres produits, mais pas maintenant. Allez. Voilà. Voilà. Donc, on a vu la vidéo. Vous voyez que pour certains produits, je n'ai même pas besoin de faire des recherches, soit dans le site ou quelque chose comme ça, parce que l'information, toutes les informations dont vous avez même besoin sont sur les étiquettes. Donc, prenez la peine de lire les étiquettes, même simplement, même regarder la bouteille. Le glutathion, c'est un produit qui coûte cher. Le glutathion, c'est un produit, comment dire, c'est un produit haut de gamme. Donc, certaines présentations, même vous fait déjà penser que ça peut même pas être le bon. Donc, soyez quand même assez vigilant. Et aussi, il y a des informations qui ne trompent pas sur les étiquettes. Donc, quand vous regardez même les étiquettes, il y a des choses qui sont incohérentes. Il y a des informations qui ne collent pas. Et ça devrait vous attirer l'attention, ça devrait vous tiquer. Ne prenez pas juste parce que quelqu'un vous dit voilà, c'est l'évitation, voilà, c'est un produit qui est comme ci ou comme ça, et puis vous acceptez tout simplement. Non. Prenez la peine d'étudier aussi l'étiquette, d'étudier l'emballage, d'étudier même les informations qui sont sur les étiquettes, parce que c'est comme ça que vous vous faites avoir. D'accord? Et dans tout ça, c'est votre santé que vous mettez en jeu surtout. Donc, voilà, soyez aussi vigilant parce que. Vous n'avez pas besoin toujours que vous me soumettez votre truc. Vous pouvez vous-même faire ces petites analyses. OK? Donc, j'espère que on aura répondu à cette question. À la prochaine!